Monsieur Osborne, vous allez bien? Je me fais du souci pour Harry. Et je ne peux en parler à personne d'autre. Il n'est pas vraiment lui-même en ce moment. Mais c'est ma faute. C'est la mienne aussi. Harry m'a parlé de son traitement. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, mais j'étais juste heureux de le retrouver. J'aurais dû lui dire ça plus souvent. Vous pouvez encore le faire. Je vous préviens si j'ai des nouvelles, monsieur Osborne. D'accord. C'est gentil. Qui surveille la décharge à proximité. Et il y a des documents brûlés qui parlent d'Oscorp. Je dois y aller en vitesse. Super, ils sont pas encore prêts. Mais ça ressemble pas à une propriété d'Oscorp. Qu'est-ce qui... L'heure écarlate approche, mes chers presses. La sentez-vous? Les indignes, eux, n'y échapperont pas. Tous ces pauvres innocents. Je dois neutraliser ces bombes avant qu'elles ne fassent des victimes dans ces bâtiments. Je peux le faire. Réduire en cendres Brooklyn et tous ceux qui s'y trouvent. Allumer l'interrupteur ? Je viens de le faire. Tout est prêt. On est dans les temps. Leur confusion sera notre plus grande alliée. Nous savions tous que ce jour arriverait. Les dignes savaient, du moins. Comme tous les indignes. Regardez, dans leur appartement, arpentant les rues, ils ignorent les signes que nous voyons. Les visions qui nous guident sont infaillibles. Toutes ces ignorances sont malades. Non. Mais après ce soir... Oh, après ce soir, aucun d'entre nous ne pourra plus jamais à la supporter. S'il y avait quelqu'un, il est plus là. Discrète. Je dois les éliminer avant qu'ils fassent sauter les bombes. Merci, Mira, par là. Alors, donnez-vous enfin de montrer mon âme. C'est le temps que je désamorce ces bombes. Je peux pas être au four et au moulin, moi. Tout est mort. Vous le savez, votre destin est de l'arrêter. Alors faites-le. Ce qui arrive, on se dit. Tu ne vivras pas. Chaud devant. C'est mon tour, elle était prête. Je vais faire éclater la vérité, mes
Pourquoi les bombes se désactivent ? Génial. Yori ? Tuer des gens. T'es rien à côté de la flamme, Spectre. Combien de bombes il reste? Je sais pas. J'en ai désarmé 4. Il y en a peut-être d'autres. Il va te falloir plus d'une balle pour vous arrêter. Fini de plaisanter. Si vous n'avez pas d'autre choix que de détruire tout ce quartier pour brûler et de l'indigne, tout ça, ça ressemble beaucoup au commencement de l'heure écarlate. Alors je fais bien d'y mettre un terme. T'as rien, ça va aller. T'es une braise ou pas? J'ai déjà fait tout, mais je n'ai pas réussi à trouver d'où la flamme diffusait ses messages. On pourra le trouver ensemble, quand on aura réglé ça. Vous pouvez chercher mon briquet. Cet ordure me l'a volé à l'hôpital. Respire. Jamais. Spectre et l'idole des fous. Mal.
Est-ce que... on a réussi? On a vraiment réussi? Ne dites pas que... Ils foncent sur les citernes! Vous avez déjà arrêté des trains? Oh, pas de frein! Super! Ça marche pas! Vous avez une idée? On le fait dérailler! Mais comment on est censé faire ça? Viens pas qu'on fasse ça! Dernier essai! C'est une nouvelle prophétie. Avant qu'on se rencontre, l'une de mes braises m'a parlé de son travail chez Oscorp et du traitement qu'ils avaient découvert. Quelle importance, hein ? Une jolie combinaison qui rend plus grand et fort. Ce n'est qu'une trouvaille de plus de la part d'un digne qui essaie de tromper la mort en se prenant pour Dieu. Du moins, c'est ce que j'ai cru aussi. Mais... quand les démons ont attaqué la ville... Comme je l'avais prédit, d'ailleurs. Oscorp a préféré mettre une partie du traitement en lieu sûr. J'ai su que je devais m'en emparer. Tout ça, c'était juste pour ça. Et quand sonnera l'heure écarlate sur cette terre, elle apportera la vérité. Jugement. Et le carnage. Comme la dernière fois. Mais je le retrouverai. Vous auriez pu le tuer. Mais vous m'avez sauvé à la place. Je vous l'ai dit. J'ai essayé de sauver un maximum de vies. Et vous êtes plutôt doué pour ça. Vous allez me livrer maintenant ? Je vous fais signe dès que je l'ai trouvé. Voulait que ce train déraille pour récupérer un symbiote. Au moins,
On l'a empêché de tuer des innocents au passage. Dites, Yuri, vous avez besoin d'aide pour traquer la flamme ? Merci, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. En plus, on vient juste de démanteler une bonne partie de son activité. Il va devoir repartir de zéro. Je vais me pencher sur ses anciens pseudos. Archie Abel, Walter Wachtman, Cletus Kasady. Mais ça pourrait prendre des mois, voire plusieurs années. Je serai prêt quand vous aurez du nouveau. Merci. Elle m'a sauvé. J'allais pas la livrer à la police. Peut-être que...